Anne-Claire Coudray à bord de l'hélicoptère H160 qui se rapproche de Paris avec l'astronaute Sophie Adnaud. Et bienvenue à bord du H160, cet hélicoptère dernier né d'Airbus qui va faire sensation tout à l'heure pour le premier défilé du 14 juillet de cet appareil qui est absolument révolutionnaire. Sophie Adnaud, on est là, pas loin de la tour Eiffel. La vue est incroyable, c'est une surface vitrée. Olivier Jans, qui est votre copilote, me disait hier, c'est comme à la Géode, c'est comme au cinéma, mais c'est vraiment incroyable. Et puis, c'est pas encore la fusée, mais c'est un bond technologique, cet hélicoptère qui a une silhouette tellement futuriste et qui propose aussi aux pilotes un confort et une sécurité jamais vus. Hein. Effectivement, la sécurité est vraiment accrue dans cette machine. On a un condensé d'innovation et de nouvelles technologies. Regardez, on a une caméra qui filme depuis l'arrière de l'hélicoptère pour comme ça le pilote sait à tout moment quels sont les obstacles autour de la machine. On a des glass cockpit, donc c'est des écrans qui permettent au pilote d'avoir une vue et une compréhension globale qui permet de se concentrer sur la mission. C'est vraiment, ça change la donne au niveau des missions et au niveau du pilotage et du confort des passagers. Quelle mission il va remplir ce H160, ce futur guépard de l'armée, des opérations de sauvetage? La machine, elle peut fonctionner toute seule et ça permet au pilote de régler les problèmes. Exactement, donc une des premières missions, et aujourd'hui d'ailleurs elle est déjà utilisée au sein de la Marine nationale, pour faire une mission de service public, de sauvetage de blessés en mer par exemple, et à l'avenir on aura aussi cette machine pour l'armée de l'air et l'armée de terre, pour pouvoir faire les missions qui sont à mi-chemin entre celles du Fennec aujourd'hui et du Puma, on pourra en reparler tout à l'heure. Alors, tout un panel de missions. Tout à l'heure, vous allez tous les deux défiler dans cet H160. On a l'impression que c'est une ligne droite, mais c'est pas facile de défiler le 14 juillet parce qu'il faut faire attention aux turbulences de tous les autres hélicos. Il y a des dizaines d'appareils en vol aujourd'hui. Hein. Effectivement, je crois qu'au total, on n'est pas loin de 70 aéronefs en vol au minimum. Et donc, c'est une concentration et une technicité incroyable. Il faut être à la seconde près sur une ligne très précise qu'on peut voir ici dans l'enfilade. Vous voyez, on voit l'arc de triomphe et la défense. Et c'est une grande technicité, une grande concentration. Je suis pas sûre que je pourrais regarder tout à l'heure vraiment en arrière vers la caméra. Vous me disiez, si vous avez choisi d'être pilote d'hélicoptère, c'est parce que déjà le point de vue est incroyable. On se dit tous les jours qu'on a de la chance. C'est aussi la liberté. Oui, alors effectivement, être pilote d'hélicoptère, il y a plein de choses qui me fascinent en fait depuis toute petite. Hein. On peut explorer tous les ranges de vitesse, depuis 0,9 jusqu'à 315 km/h. On peut faire un panel de missions depuis quasiment le sol, du treuillage, du sauvetage de blessés. On peut transporter du monde. On peut aller en montagne, en mer, aller en haute altitude. Voilà, pour moi, c'est ça qui me fascinait dans les hélicoptères. Alors, on reparlait de la Concorde et de l'Arc de Triomphe tout à l'heure, sur lequel vous allez passer le 14 juillet pour un militaire. C'est une date importante où on se repose la question de notre engagement, de son engagement. Effectivement, le 14 juillet, c'est une date importante, mais je pense pas que pour les militaires, pour tous les Français aussi. Moi, ce que je pense surtout quand on voit c'est ce qui se passe le 14 juillet, c'est tous les hommes et les femmes qui travaillent au service du bien commun pour la France, pour les Français. Et puis derrière, surtout, toutes les milliers de familles qui les soutiennent, parce que effectivement derrière chaque personne qui travaille aujourd'hui, eh bien, il y a des familles qui les soutiennent, et j'ai une pensée très émue pour eux. On va appeler Sophie Adnaud, nouvelle astronaute française qui est à bord du H160. On écoute ses impressions. Ravi de vous retrouver. 44 secondes pour descendre depuis l'Arc de Triomphe jusqu'à la Concorde, c'est absolument magnifique. On reste bien sûr très concentré pour tenir la formation en patrouille avec mes collègues de l'armée d'air et d'espace dans ce magnifique hélicoptère de H160 d'Airbus. Et Sophie Adnaud qui prendra un jour une fusée, mais qui pour l'instant est dans l'hélicoptère le plus moderne au monde, avec Olivier Jans à ses côtés. Et on va pouvoir virer pour rejoindre les Invalides. Cet hélicoptère, il est extraordinaire. Vous voyez, il y a des écrans partout qui ont remplacé des boutons et des altimètres à aiguilles qui offrent une stabilité incroyable pour notamment les opérations de sauvetage. C'est un hélicoptère qui peut décoller et se poser tout seul. Le pilotage automatique est extraordinaire.